Salut à tous les amis, c'est Daika, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc ça va être le deuxième épisode de la série, donc de posséder tous les items du jeu. Donc dans le premier épisode, j'avais crafté trois anneaux. Donc j'avais crafté l'alliance astrale, l'anneau blitéré et l'anneau chevelu que j'avais donc FM aussi. J'ai donc eu des retours très positifs de cette première partie. Et c'est pour ça du coup que je continue. Du coup, je vais continuer à faire une deuxième partie pour continuer donc cette série qui vous plaît bien. Donc c'est parti, deuxième épisode ce soir. Alors ce soir, on va faire une amulette, etc. Voilà, vu que je dispose de toutes les ressources. On va faire également. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors peut-être pas forcément que mes métiers, hein, parce que j'ai plein d'autres trucs. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait sortir? Après les armes, je peux pas vous les faire en live parce que si je trouve pas de forge mage, etc., ça va être un petit peu chiant. Du coup, je vais vraiment faire uniquement que les trucs où il y a tout le temps, hein. Alors cap, je vais faire quand même pas mal d'items, hein. Ça fait plaisir aussi. Ah, une petite coiffe du Tinryl, ça pourrait être sympa ça. On va faire ça, une petite coiffe du Tinryl. Hop, c'est parti. Et on va en faire un troisième. Donc on va faire peut-être un masque. Il y avait quoi en fait? Parce que je privilégie en fait les items 1.29, hein, comme vous l'aurez je pense compris. Cascargo. Ça peut être drôle ça aussi, à faire un cascargo. Bon, je sais pas, j'hésite un petit peu. Capuche de la Oisin. Non, on va pas quand même faire ça. On va faire le cascargo. Allez. Hop là. Donc aussi, hein, n'hésitez pas à me dire dans les prochains épisodes, dans les commentaires, quels items voudrez-vous que je crafte. Comme ça, je peux faire suivant vos envies, suivant ce que vous voulez. Moi, ça me dérange pas du tout, hein, au contraire, hein, ça vous fait participer sur l'évolution de la série. Donc, je fais 3 items pour l'instant par épisode. Après, je pourrais faire plus, je pourrais faire moins. Enfin, ça, c'est moi en gros qui vais décider. Yo! Ah, notre guilde. Ce que je vais faire par contre là pour crafter donc les deux coiffes, c'est que j'ai un tailleur sang, donc je vais juste le connecter et je reviens juste après. Donc nous on va si avec le fécat de mon pote là qui est niveau 200, enfin qui est niveau 100 tailleur, pardon, niveau 200. Oui, les métiers passent niveau 200 maintenant, enfin bref, n'importe quoi. Donc on va commencer donc par le craft d'une coiffe du Tinryl. Ça met un petit peu de temps à charger. Alors, est-ce qu'il a des runes de signature? Oui, nickel. Fusionner. Hop, une jolie coiffe du Tinryl. Fraîchement sortie de l'HDV. De l'HDV. Pas n'importe quoi. Oh, je dis n'importe quoi ce soir. Du craft. Et le deuxième, c'est un petit casse-cargo que nous allons faire. Fusionner. Et c'est parti. Et donc, le troisième item, va me falloir un petit bijoutier. Alors je vérifie qu'il n'est pas bijoutier. Non, c'est tailleur. Tailleur 100, cordonnier 81. Bon, ok. Allez, c'est parti du coup pour trouver un bijoutier afin de créer l'amulette, etc. Hop. Bon, je pense qu'il y en a un à cette heure-ci généralement. Oui, parfait. Oh, qu'il est déjà HD. Il est déjà en plus là. Parfait. Salut, dispo pour une amulette STP. Voilà. On va attendre qu'il réponde. Je pense qu'il est là, hein. Ouais, parfait. Moins de 10 secondes. Amulette, etc. Impeccable. Je vais lui mettre 30 000. C'est les prix, hein, généralement. Alors attendez, je vais juste lui dire par contre s'il a une rune de signa.
Comme ça, moi j'aime bien hein, signer les items, généralement c'est un truc que je fais souvent. Enfin, je l'avais pas fait pour l'épisode 1 pour les anneaux. Je m'en suis rendu compte après que je l'avais pas fait et c'était une erreur. Donc vraiment désolé pour ce coup-là. Mais j'essaierai de le faire maintenant, c'est pour ça que là je le MP. Bon, je vais lui en donner une. Je vais lui en donner une, hein, vu qu'il en a pas. Alors attendez que je retrouve ça tout de suite dans mon petit inventaire. Vu que j'ai plus beaucoup de choses, ça va. Ah oui, là, il a pas beaucoup de pods. Voilà. J'en ai passé une, comme ça il va pouvoir me réinviter. Impeccable. Je vais remettre la recette, ni plus ni moins. Les sous. Hop, parfait. Les sous, c'est bon. Il a mis sa rune, enfin ma rune plutôt. Et impeccable pour l'amulette. Merci beaucoup. Alors maintenant c'est parti. Deuxième petite chose, on va à FM. Voilà, comme tout à l'heure. Enfin comme tout à l'heure, comme dans le dernier épisode, pardon. Alors hop, on est reparti à la banque. Donc c'est parti bon pour l'FM de l'amulette, etc. Amulette qui devrait être assez simple à FM, donc alors attendez, voir. Est-ce que j'ai des runes là? Non, j'ai pas de runes. On va repartir tout de suite. Donc vitalité. C'est de la combien de vital hein? On va pouvoir sortir les pavés également. J'ai plus trop de pods avec ce mode. On va se mettre comme ça je pourrais mettre le stock de runes que je veux. Alors ensuite, force et chance. Donc on va faire comme ceci, comme ceci, comme ceci. Impeccable. Sagesse. Puissance également, donc puissance. Il en reste plus que 11. C'est light, mais on va faire avec. PAPO. Donc PA. PO. Ensuite, neutre, terre, feu, eau. Et donc, alors, neutre, il n'y en a plus beaucoup. Eau. Terre. Et feu. Voilà. Je sais pas quel est le mage feu sur sa mulette là. De la prospection. Voilà. De la fuite et du retrait PA. Donc de la fuite et du retrait PA. Magnifique. Donc une fois qu'on a ces runes là, on va se diriger vers l'HDV. Vers l'HDV, vers l'atelier, pardon. Oh, du mal ce soir, je suis un petit peu troublé. Je sais pas ce qui se passe. Alors on va racheter quelques petites runes qui nous manqueraient peut-être. Là je vois que c'était light hein, en rune d'eau neutre par exemple. Alors on va la racheter comme ceci, ça devrait passer. Les dos feu, on va également en acheter quelques-unes. Les ça c'est bon. Ouais, impeccable. J'aurais peut-être dû racheter des runes puissance, mais bon, c'est pas très grave. On s'en fout, on va faire avec. Bon, allez. Alors, j'équipe mon petit outil. Tac. Amulette, etc. Alors, non, j'en avais pas des amulettes, etc. Non, j'en avais pas. J'en ai eu par le passé. Mais je n'en ai. J'avais dû revendre. Alors, c'est 250, 50, 50, 40, 25. 25 de puissance quand même. Intéressant. 1-1, tout à 10, 25, 5 et 5. D'accord, impeccable. 25 prospections, putain, j'ai parfait. Joli. Alors on va faire comme ceci, on va commencer, parfait. Donc là la petite rune qui passe, le dommage terre, le retrait PA qui se bataille. Alors dommage feu, on va remonter ça, on va essayer de faire assez vite, parce que la dernière fois c'est vrai que j'avais été un petit peu long à remonter l'item. En même temps, il a pas voulu de moi l'item, hein. Clairement. je sais pas si vous vous rappelez, c'était le. Comment dire? Ah, je sais plus. C'était l'anneau chevelu là. Il voulait pas de moi cet anneau, hein. Clairement, c'était vraiment compliqué à FM. Donc là, je vais tout mettre à 9. Voilà, parfait. C'est 5. Est-ce que c'est 5 ou c'est 6? Je me rappelle déjà plus. C'est 5. C'est nickel. Hop, voilà.
Donc 9, on va attendre le pu soit le PUPA, soit le PUPO. Ça m'arrangerait que ce soit le PUPO quand même, parce que bah, ça coûte moins cher, tout simplement. Hein. Voilà, ça passe plutôt bien là pour l'instant. Mettre un petit peu de chance. Pour l'instant, on a le G-Max en force, ouais. Ok. La prospection, je vais pouvoir la descendre un petit peu, hein, c'est pas grave, c'est un peu là, c'est un peu ce qui nous sert depuis, quoi. Donc concrètement, c'est pas grand chose. Donc on va mettre un petit dommage feu. Parfait. Et un dommage neutre. Nickel. Ah non, le dommage terre. Vita. Voilà, deux en prospection, ce n'est pas très embêtant. On va mettre un petit peu de vita, ça passe pas. Voilà, ça passe au détriment d'un petit peu de chance. On va pouvoir la remettre en pas. Dommage haut. Prospection qui est à 18, c'est plutôt correct, hein, évidemment. Puissance c'était 25, sagesse c'était 40. Donc là on a un plutôt bel item. J'aurais bien mis un petit puits quand même, histoire que ça passe. Bon, au pire ça passe tout en critique et puis on arrête là. Hein. 16 de PP, c'est plutôt bien. Le retrait PA. Le dommage neutre à nouveau. Voilà, tout est à 10. 16 de PP. Là, on est au max. On va mettre un petit peu plus de puissance. Oh, ça passe en critique. 25, c'est le maximum. La chance, on va essayer de monter un petit peu. Force. Moins 1 de sagesse. Ouais, c'est pas très embêtant, hein, vu que c'est 40 le max. Et là, si je passe une plus 30, ça passe. Voilà, ça passe pas vraiment. C'est un peu dommage. Ouais, au pire comme ça, elle est pas si mal, hein. Clairement, là, c'est plutôt un bel item. Plutôt un bel item. J'aurais bien mis un petit 50-50 là. Non, ça passe pas. Ah! Oh là! Oh! Le moins PO peut-être? Non, pas le moins PO. Pas le puits PO pour l'instant. C'est dommage. Là, il y aurait un puits PO. Il y aurait eu possibilité de faire quelque chose de très très sympa. Ça aurait vraiment pu être quelque chose de sympa. Mais bon, tant pis, on n'a pas eu la chance. Je vais juste remonter un petit peu ce que j'ai perdu là. Et on va s'arrêter là. Oh là, la sagesse qui passe en critique. Impeccable. La chance également. Bon, c'est de notre côté plutôt là. Un de puissance. Parfait. Comme ça, on va pouvoir mettre. Voilà. Au détriment de la fuite. Prospection. Sagesse. Bon, stop les dégâts, s'il vous plaît. Fuite. Parfait. Donc là on est bien, sagesse on est bien, puissance on est au maximum. Je vais mettre 15 de PP pour que ça fasse un G nickel. Voilà, et 5-5. Parfait. Donc 247 sur 250, donc c'est super. 47 sur 50, 44, peut-être essayer de mettre en plus 3. Ah dommage, j'ai pas le G parfait. Ah non, zut. Bon, je fais que des conneries. C'est pas grave. Voilà, de toute façon c'est des items qui seront pas portés. Voilà, donc là je fais de la merde. C'est sûr au moins. Bon. C'est dommage, je cherche toujours la petite bête. Et il y a des fois je devrais pas la chercher. Parce que je me fais avoir, tout simplement. Voilà, mais ça m'apprendra. Hein. La fuite qui ne passe pas. La fuite qui retombe. La fuite qui passe en critique. Mage neutre, prospection, on va mettre à 15. Ça devrait passer tranquillement. Puissance, on va remettre 3. Ça ne passe pas. Dommage feu. Dommage. Oh, prospection again. Fuite. Dommage haut. Puissance encore. Dommage terre. Échec. Ah là là, ça c'est parti dans l'engrenage infernal, là, j'ai l'impression. J'aurais bien aimé un petit. On va mettre 12 de prospection du coup. J'ai pas envie que ça refoire quelque chose. On va juste mettre un petit peu de chance là par contre, ça serait cool. Non. Ah, c'est mieux déjà. Impeccable. Et on va mettre. Ah, dommage. 3 de puissance. Il passe pas non plus. Dommage. Dommage terre. Moins 7 de vitalité. Ça fait un peu chier pour la vita là. Elle était mieux tout à l'heure. Et dommage haut. Fuite.
Dommage. Ah, j'aurais bien aimé tellement avoir aimé avoir le puits PO. C'est tellement dommage. Enfin bon, c'est comme ça. Allez, les deux fuites qui vont essayer de repasser. Ça passe pas tellement bien. Dommage feu. Échec. Échec encore. Échec. Plutôt ambigu là. La fin de d'Exo. Enfin de d'Exo, non, de FM, pardon. Ah oui, mais là j'ai vachement perdu là sur l'item. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? La prospection est cruelle avec moi, elle m'enlève un dommage, c'est tellement horrible. Pour un de puits, elle m'enlève 5 de puits. On toi ta gueule, merci. Hop, voilà. Satané bot, hein. Allez, les dommages, là, faut que ça passe en critique. Oh, super. Bon, on n'est pas trop mal, hein. Je vais arrêter de bidouiller dans quelques minutes, là. Il faudrait juste que celui-là passe. Non, ça ne passera pas, c'est dommage. Parce que du coup là la Vita est un petit peu médiocre. Le yo-yo. Le yo-yo encore. Et ça passe pas. Ça rebondit. Ça s'entasse. Échec. Oh là là. Bon. Ce que je vous propose les amis, c'est que je vais faire une petite pause. Et puis on va se retrouver une fois que le FM aura été nickel. Hein? On va faire ça, hein, ça va vous reposer comme ça. Allez, à tout de suite. Et voilà, de retour sur cette amulette qui est enfin terminée. Donc j'ai eu un jet pas terrible, hein, mais bon, que faire? J'ai pas eu de puits, ni PA, ni PO depuis que j'avais arrêté de filmer. Donc 236 sur 250, 46, 46 sur 50, 34 sur 40, 23 sur 25, 1. 1, 10, 10, 10, 10. Donc les dommages sont au maximum. La PP est à 10. 5 fuites, 5 retraits PA sur 5. Bon, c'est quand même un item que je suis pas trop déçu, hein. Mine de rien, il est quand même plutôt vraiment pas mal. Je rends bien bien un puits PA, mais bon, vu que c'est des items que je vais pas utiliser, en fait, je vais pas non plus bousiller des tonnes de camas, hein, juste pour ça. Donc voilà, c'était juste pour une petite démonstration, quoi, de vidéo. Et aussi donc d'avoir en fait des items. Donc là ça fait déjà 6 items en plus en 2 vidéos. Donc je suis assez content, hein, en fait, des items 1.29 surtout. Après ça, je vais faire ça tranquillement dans les prochains jours. Ça ne presse pas, je vais pas le faire en vidéo sinon ce sera un petit peu trop long. Donc là on est déjà à 18 minutes avec un FM et 3 crafts. Bon, c'est quand même assez long, hein, donc faut quand même prévoir le temps. Donc là nos chevelus de l'autre jour, j'avais l'anneau plitéré et l'alliance ancestrale. Je vais juste vous faire un petit plus dans cette vidéo. Alors c'est donc que j'ai avancé en fait dans ma panoplie barbe étoile, que j'avais présenté déjà en vidéo avec le test d'armes en fait sur le. Wow. Sur une vidéo là il y a quelques temps, je pense qu'il y a 3 semaines, 1 mois maintenant que cette vidéo a été faite. Donc j'ai des améliorations sur ce stuff. Donc le voici. Donc là j'ai plus ça, j'ai ça. Voilà. Donc alors j'ai. Je sais pas si je vous avais dit que j'avais FM ces items là. Donc le masque. Je sais pas si je vous l'avais dit. Ah, je sais plus du tout. Donc je sais qu'il me reste la ceinture FM. Est-ce que je vous avais dit que j'avais réalisé l'FM du masque? Je ne sais plus. Donc je le dis quand même. Voilà. Désolé si je l'ai dit dans d'autres vidéos, mais je sais plus du tout là actuellement. Voilà pour l'FM du masque de barbe étoile. Donc très sympa, hein, l'FM qui était assez longue à faire. Et aujourd'hui donc j'ai réalisé, enfin j'ai réalisé, oui j'ai réalisé en partie l'exo, pardon, l'FM, je vais enfin y arriver, du marteau d'un Saint-Steamer. Donc il est plutôt très bien, hein, 337 sur 350, 54 et 55 sur 60, 34 sur 40, 4 coups critiques, les dommages au max, la prospection que tu as 10 parce que j'aime bien les jets qui suivent comme ça. L'initiative qui est moyenne, 379 sur 500, 6 de fuite sur 7, et les 7 résistances partout, et 12 résistances feu sur 15, donc c'est plutôt intéressant. Donc là je vais vous refaire une petite démonstration au putsch, pour voir un petit peu le stuff maintenant qui a évolué. Il n'y a plus que le problème de l'anneau pilostère, mais qui va être réglé je pense dans les prochains jours. Voilà, et puis après je vais vous refaire la vidéo dans un mois, quoi, mais c'est voilà, en gros c'est ça.
l'idée. Donc là, il n'y a que la maîtrise qui a cac. Vous voyez que là, je suis déjà dans les 1600 au corps à corps maximum. Hein, vous voyez, 1604. Voilà, 1538. Donc c'est des coups qui sont énormes. Hein. Franchement, c'est un cac qui vaut énormément le coup. Donc là, je pense que je vais le terminer. Oui, voilà. Donc c'est un mode qui est vraiment énorme. Il est énormissime ce mode. Et sur l'Eniripsa, j'ai super envie de le tester. Il faut juste en fait les items rigides que je vais recrafter FM en fait pour l'Eniripsa dans les prochaines semaines également quand je vais reprendre l'Eniripsa. Mais en tout cas, il faudra procéder à avoir des items rigides parce que bon, j'en ai pas d'autres en fait pour l'Eniripsa. Il restera donc la ceinture pape étoile aussi que je vais FM dans les prochains jours. Voilà, un petit peu près tout ce qu'il y avait à dire sur cette vidéo. Je vous souhaite donc une bonne soirée et un bon début de semaine pour ceux qui vont me regarder tout de suite quand je mets cette vidéo là, vu que là je la tourne le dimanche soir. Merci à tous encore de me suivre et à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Daika, je déconnecte. À